Quand Galvanax, le champion des guerriers galactiques, a voulu s'emparer de l'étoile Nexus Ninja, le plus grand ninja de la Terre s'est sacrifié pour protéger l'univers. Des années plus tard, une nouvelle équipe de héros s'est formée pour protéger les étoiles de pouvoir. Par où on commence? La maison de mon enfance, l'acier ninja est là-bas. Trois étoiles doivent encore être libérées du prisme. Qui deviendront les prochains Power Rangers? T'inquiète pas, Cody. Ça devrait plus être long maintenant. Voilà, bon. Ça y est, Nitro va beaucoup mieux. Tu vas voir, elle va rouler du tonnerre. Pas vrai, ma belle? Ouais, tu vraiment... sais que c'est moi, ta petite amie, et que Nitro, c'est juste une voiture. Hey, chut! Tu vas la vexer. C'était quoi? C'est tombé du ciel. Allons voir. Oui. D'où viennent tous ces débris? Ça ressemble pas à des débris d'avion, ça. Ils viennent peut-être d'un satellite top secret? Ouais, c'est possible. Ou peut-être que c'est... extraterrestre! Oh, tu te crois drôle? Oh. Si on dégageait la route pour repartir. Ouais. Allez. Ça colle. C'est quoi, ce truc? Tu m'as frappé et qu'est-ce que... N'approchez pas! Désolé, je ne voulais vraiment pas vous faire peur. Attendez, qui vous êtes? Ou plutôt, qu'est-ce que vous êtes? Je m'appelle Mick. Je suis chef mécanicien du Bagarrodrome. Vous savez, là où ils filment les missions intergalactiques, les guerriers galactiques! Les guerriers galactiques? Les guerriers galactiques! Ben oui, quoi, l'émission télé la plus regardée de l'univers. Non, mais dans quelle galaxie vous vivez? Dans la galaxie de la Voie Lactée. Ah, la Voie Lactée... ça reste entre nous, mais vous êtes, disons... méga arriéré. Peu importe, j'ai été séparé de mon ami Brody. Mais il vient de cette galaxie! Il vient de la Terre! Brody! Vous savez, Brody... Non. Brody... Brody, est-ce que tu... Oh non! J'ai dû le casser en sautant du vaisseau. Du vaisseau? Vous voulez dire un vaisseau spatial? Attendez, pourquoi vous avez sauté? Pour échapper à des monstres. Vous voulez dire des monstres extraterrestres? Oui. C'est une blague. Décrivez-les. Eh bien, ils étaient grands et très moches. Comme eux. Comme eux? Oh. Amener au vaisseau. Peut-être qu'on peut essayer de leur faire peur. Ouais, on peut essayer. Si vous voulez vous emparer de Mick, alors vous allez devoir... Vous allez devoir nous affronter tous les deux. Ouais. Bonne chance. Je suis là. Vite! Il faut partir vite! Allez, démarre!
bande d'incapables! Ils se sont échappés, mais pas pour longtemps! Depuis 10 ans, pas un seul monstre n'a réussi à s'emparer de la super étoile ninja. Mes 3 jeunes humains viennent de réussir, et sans aucun problème. Comment? Je suis désolé, maître. Je ne peux pas l'expliquer. Mes coups d'abattre ont retrouvé Mick, mais il s'est échappé avec l'aide de 2 jeunes humains. Encore de jeunes humains? La Terre est infestée de jeunes humains. Ils sont aussi nombreux que les cafards. Attendez. Je sais exactement ce qu'il faut faire pour nous débarrasser de cette vermine envahissante. Mais place à ton maître, Cosmo. Nous allons donner un nouveau souffle à notre spectacle. Tout combattant qui réussira à détruire les Power Rangers et qui me remettra leurs étoiles ninja de pouvoir deviendra champion des guerriers galactiques au même titre que moi. Fais le tour, on va entrer par derrière. La classe de mécanique. On construit, on répare un peu de tout ici. Il y a plein d'outils à disposition, alors j'espère qu'on pourra réparer ta montre connectée. Mick, on va essayer de te rendre passe-partout. Oh, je pourrais aussi me changer en pneu. Non, ce sera pas nécessaire. Essaye de te comporter normalement et personne te remarquera, d'accord? Reçu, 5 sur 5. Et vous? Vous, là? Vous devez être notre nouveau professeur. Je suis le principal Hastings. Ravi de vous rencontrer. Moi, c'est Mick. Et moi aussi, je suis ravi de vous rencontrer. J'avais été très déçu d'apprendre que vous refusiez ce poste de professeur, mais qui aurait pu vous en blâmer? Je ne voudrais pas passer la journée dans cet endroit crasseux. Mais on dirait que vous êtes chez vous. Ravi que vous ayez changé d'avis. Bonne chance! Elle me prend pour votre professeur? Oui, je... Ça ira, Monty. L'atelier de peinture est libre. Alors... Vous êtes donc notre nouveau professeur? En fait, je suis Victor Vincent. Des abdos d'acier et un sourire de pupe. Vous voyez? Et je suis votre meilleur élève. Il est je viens fâché. Juste de terminer la peinture de cette voiture. Elle est presque aussi parfaite que moi. Oh oui, presque. C'est ce que je viens de dire. Regardez ces superbes lignes élégantes. Admirez les courbes aérodynamiques. C'est clair. Elle est vraiment unique en son genre. Oh oh. Vous êtes très bien assortis. Je comprends pas où est mon frère. Aiden! 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 Mes radars ne détectent aucun signe de vie. Il est forcément là quelque part. Il serait pas parti. Ça fait déjà 10 ans. Aiden peut être n'importe où aujourd'hui. Brody, t'as dit que ton père l'avait aussi entraîné à devenir ninja? Ouais. S'il a ne serait-ce que la moitié de tes ressources, je suis sûre que quel que soit l'endroit où il est, il va bien. Les amis, Galvanax peut débarquer n'importe quand. Il faut qu'on retrouve l'acier ninja et vite. T'as raison. Je crois que je sais où il a pu le cacher. Je parie qu'il est dans l'atelier de mon père, c'est par là. Allons voir. Mon père avait l'habitude d'enterrer cette boîte. Ça faisait partie de notre entraînement ninja. On devait la retrouver, les yeux bandés. C'est le camion de mon père. Alors c'est là qu'il vous entraînait, Aiden et toi? Ouais. Vous savez, les gens disent que mon père était le plus grand ninja de tous les temps. Et nous, on rêvait de devenir comme lui. Comment ton père a découvert l'acier ninja? Merci, Redbot. Je t'en prie, Brody. Un jour, le prisme est tombé du ciel comme une météorite. Juste là, dans notre cour. Le prisme était recouvert d'acier ninja. En brisant l'acier ninja, mon père a découvert le prisme qui était dessous. Il a fait fondre l'acier et il s'en est servi pour forger des étoiles ninja très spéciales. Ensuite, Galvanax est arrivé de l'espace. Mon père a détruit l'étoile Nexus. Et il a disparu. C'est la dernière fois que je les ai vus. Lui et mon frère.
Je suis désolé, Brody. Partout mes circuits connectés. J'ai trouvé quelque chose. C'est la boîte. Je savais qu'elle serait là. Vite, aidez-moi. Elle est vide. Où est l'acier ninja? Elle est vide. Où est l'acier ninja? Ton frère aurait-il pu le mettre ailleurs? Attendez, qu'est-ce que c'est? Oh, je m'en souviens. Papa était super fier de ce trophée. C'est sûrement un indice d'Aiden. Et voilà, c'était de la tarte spatiale. Les garçons, tous les élèves s'en vont. Nous aussi, on doit partir. J'espère qu'elle va s'allumer. Attends, laisse-moi voir. Je suis sûre que j'ai déjà vu ce trophée quelque part. Brody, c'est quoi le nom de ton père? Dean Romero. Dean Romero? Le trophée est dans la vitrine du lycée, je l'ai vu ce matin. Mais oui, bien sûr. Aiden a dû cacher l'acier ninja à l'intérieur du trophée. Attention! Qu'est-ce qu'il y a, Redbot? C'est une caméra mouche. Je te tiens. Envoie l'un des monstres s'emparer de l'acier ninja caché dans le trophée. À vos ordres, maître. Et c'est parti! Voyons si Ripperat sera capable de vaincre les Power Rangers! Et pourra-t-il s'emparer de l'acier ninja? Je vais découper ce trophée et gagner! Ta-da! C'est pas bon pour nous. Galvanax sait où est caché l'acier ninja. C'est Mick! Brody! Tu vas bien? Je vais bien, mais on a un problème. On sait où est caché l'acier ninja, mais Galvanax nous a espionnés. On doit arriver au lycée avant lui. D'accord, on y va tout de suite. Attends. On est déjà au lycée. Quoi? Mais c'est génial. Oui. L'acier ninja est caché dans le trophée de mon père. Le trophée est au centre de la vitrine des sports. Dessus, il y a marqué Dean Romero. Allez le chercher, on vous rejoint. À tout à l'heure. Allons-y. Le spectacle va bientôt commencer. Le voilà. Oh. L'acier ninja. Allons retrouver Brody. À droite ou à gauche? Je vous tiens. Donnez-moi l'acier ninja. Sinon... À votre tour maintenant. Prends de quoi te battre. Tiens, prends ça! Bien rattrapé! Je vous ai laissé une chance de vous défendre! Mais la partie est terminée! Il a réussi à tendre le métal! J'ai tenté la batte! Et maintenant, c'est à votre tour! Donne-moi ce trophée, j'ai assez attendu. Quoi? Puisque c'est comme ça, je vais employer la méthode forte. Il a détruit l'émetteur. Je vais détruire encore beaucoup d'autres choses. Je vais détruire encore beaucoup d'autres choses. Le prisme! Empare-toi du prisme! Oh, c'est pas vrai! Ce sont les étoiles de pouvoir jaune et blanche. Elles brillent. Oh, allez, prenez les étoiles de pouvoir! C'est incroyable, on dirait de la magie. J'arrive pas à y croire. Mais pourquoi nous? C'est de la folie. Vous avez retiré les étoiles de pouvoir ninja. Vous savez ce que ça veut dire? Non. Moi, je le sais. Ça veut dire que vous êtes des Power Rangers. Tout comme nous.
Des Power quoi? Preston? Qu'est-ce que tu fais là? Calvin et Hayley? Salut, je suis Sarah, je viens d'une autre ville. Moi, je suis Brody, je viens de l'espace. Moi, c'est Redbot. Et moi, je suis Riprat. Et vous allez regretter d'avoir volé ce qui revenait de force au grand champion Galvanax. Faites comme moi. Qu'est-ce qui va se passer? Même si te le disais, tu ne le croirais pas. Garde tous tes circuits en alerte, tu vas être impressionné. Transformation. Verrouillage des étoiles. Tourbillon ninja. T'avais raison, Preston. J'en reviens pas. Je sens une puissance qui naît en moi. Qu'est-ce qui nous arrive? Mon énergie est décuplée. Allez, tous ensemble. Quoi? 5 Power Rangers! Détruisez ces insupportables jeunes humains! Oh, peut-être que nos morpheurs ont un mode attaque. Oh, t'avais raison. C'est le moment de les tester. Bonne idée. Morpheur de combat! Mode A! Brody! Quoi? Pousse-toi! Tire de la flèche! Vous allez me le payer très cher! Ça va faire mal! Morpheur de combat, mode sabre! Attaque du sabre! Ce n'est pas ça qui va m'arrêter! Le mode grippe va t'arrêter! Déchirure de la grippe! Attaque du ninja rouge! Frappe d'acier! Tourbillon ninja! Attaque finale! Tu t'es battu! Le spectacle est terminé! La victoire est pour les ninjas! Le spectacle n'est pas encore terminé! Est-ce qu'on laisse une seconde chance à Riprat? Bien joué, Brody! Ouais, très impressionnant! Il a été identifié! Vous pensiez que j'avais dit mon dernier mot? Vous avez vu ça? Il est énorme! Attendez! Mes bras mécaniques ne marchent pas! Ses armes ne marchent pas! Wow, le prisme! Regardez, il nous montre une vision! C'est quoi ces robots? Si la légende dit vrai... Ce sont vos ordres. Nos ordres? Des étoiles ninja. Ce sont celles que mon père a fabriquées. Wow. Qu'est-ce qui se passe? On va vite le savoir. Cool. Je crois que vous allez rencontrer vos ordres. Étoile des ordres, verrouillage. Activé. Verrouillage activé. Tourbillon ninja. Zord Ninja Steel, à vous de jouer. Wow, regardez! Voilà nos ordres! Attends, j'arrive! Tu ressembles à Redbot! Je vais t'appeler Zord Robot Rouge! Un Zord Dragon! C'est de la magie pure! Ce sera un fil comme l'éclair! Je vais t'appeler Zord Sonic! Personne ne pourra s'opposer à mon Zord Nitro! Hey, il ressemble à mon chien Cody! Tu seras Zord Codia! Mes bras mécaniques fonctionnent! Attention! Belle esquive! Reviens ici! Arrête de t'agiter! T'es trop lent! Prends ça! Tu feras moi le malin! C'est ce qu'on va voir! Tu veux jouer à ça? Tu vas voir! Attention les pieds! Va chercher!
On ne tient plus sur ses pieds. Qui est-ce qui va rire maintenant? Moi, souffle de feu. Merci, Preston. On va en finir avec lui. Blaster Ninja, attaque fatale. J'ai encore perdu. Ouais. Victoire des ninjas. On dirait que Summerconv vient d'être dératisé. À la semaine prochaine. Mets le prisme là-bas, Red Bot. Ça y est, tout est là. Il faut absolument qu'on trouve un endroit pour cacher le prisme, avant que les cours ne reprennent demain. Les amis, on a la solution. Utilisons l'atelier de peinture pour le cacher. Excellente idée. Mais qu'est-ce qu'on fera quand les autres voudront... vous savez, l'utiliser? Ils le feront pas. Le spray de peinture vient de lâcher. L'atelier est officiellement... hors d'usage. Oui, sans oublier que le principal Hastings a nommé Mick professeur de mécanique. Donc personne ne posera de questions. C'est génial. Je crois que je vais enfin aller au lycée. Ouais. Moi aussi. Je voudrais vous remercier de nous avoir sauvés aujourd'hui. Il était important pour moi de cacher le prisme et de retrouver mon frère. Et au moins le prisme est en sécurité. Mais en tout cas, je suis désolé. Je voulais pas vous mêler à tout ça. C'était un accident. Je ne crois pas que c'était un accident. Pendant des années, j'ai entendu la légende du prisme Nexus Ninja. Il détient de grands mystères, des pouvoirs fantastiques. Je dirais que... qu'il savait que Galvanax était une menace pour l'univers. Et qu'il vous a choisi tous les cinq pour devenir des Power Rangers. Alors, c'est notre mission de sauver la Terre. On dirait bien. Bon bah, c'est génial. Il n'y a plus qu'une chose à faire, au travail. Reçu 5 sur 5. Si l'atelier est notre base secrète... il va nous falloir des entrées secrètes. Ouais. Brody, on va devoir faire des travaux. T'avais pas dit qu'il y avait 6 étoiles de pouvoir? On en a retiré que 5. Mais oui, c'est vrai. L'étoile dorée n'est plus là. Elle a disparu avant qu'on retrouve le prisme. Quelqu'un a dû la récupérer avant nous. Mais qui? Quel spectacle! Mais quel spectacle! Oh là là, je n'en reviens pas! Quel spectacle! Maître, le public adore les Power Rangers! Le score d'audience atteint des sommets! Imbécile! Je n'ai que faire des scores d'audience! Les étoiles de pouvoir seront à moi! Oh, et bien sûr qu'elles seront à vous, maître! Excusez-moi! C'est ce que nous verrons. L'étoile de pouvoir doré est déjà entre mes mains.